Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui Mathieu Doumalin. Oh, il y avait la projection plaisir. T'es sérieux? Oh là là, oh, il avait tout préparé. Oh, j'étais pas prêt à ça. Oh, j'étais pas prêt à ça. C'est pour l'anti-sèche, comme ça je peux te. Alors, Mathieu Doumalin est le fondateur de Destination Client, premier organisme de formation au développement commercial pour les entrepreneurs indépendants. On va s'arrêter là et puis Mathieu, si tu veux bien te présenter, nous dire un peu comment tu t'es lancé. En tout cas, je suis très, très content de t'avoir. Ah, mais merci, merci infiniment Lingen. Je suis tellement content de passer ce moment-là avec toi aussi. C'est trop cool. Merci pour l'invite. Et bah écoute, ouais, moi, je suis le fondateur de Destination Client, le fier papa de ça, mais aussi de deux et bientôt trois enfants. Et c'est une avant-première, c'est une exclue mondiale. En tout cas, ouais, publiquement, c'est la première mondiale. Hein. Franchement, bien joué, hein. Bien joué, t'es allé le chercher. et ouais, Destination Client aujourd'hui, je présente la boîte comme étant un organisme de formation spécialisé sur le développement commercial des entrepreneurs indépendants. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne les solopreneurs, les coachs, les consultants, les graphistes, les formateurs, les thérapeutes dans leur démarche de développement d'activité qui va passer sur trois piliers, la prospection, la vente, la fidélisation. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est une équipe de on est 8 collaborateurs en interne, on est une équipe élargie de 15 personnes parce que du coup, on a un programme d'accompagnement individuel qui fait que chacun de nos clients a son consultant attitré pour l'épauler sur plusieurs mois dans sa montée en compétences. Et donc voilà, on accompagne 150 à 200 indépendants par an en individuel, entre autres. Oh bien, super. Et comment tu t'es lancé? Comment t'en es arrivé là? Je sais que t'as plusieurs casquettes, donc c'est quoi les différentes étapes qui t'ont permis ou qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui? Alors moi, vraiment, ça commence par mon histoire en fait d'entrepreneur. Elle commence réellement en 2017, quand je déjeune à midi avec une pote qui s'appelle Amandine. À cette époque-là, moi, j'étais responsable commercial dans une start-up. Et j'avais cette idée de lancer ma boîte, mais je savais pas forcément exactement dans quoi. Et en fait, à l'époque, quand j'étais en école, j'avais déjà testé de lancer une première boîte et ça avait pas du tout fonctionné, mais plus sur un modèle vraiment startup, tu sais, dans la tech et tout. Enfin, un peu baigné dans cet esprit-là et ça m'allait pas du tout en vrai. Et du coup, c'était tout à fait normal que ça se soit écroulé. Et donc du coup, j'avais cette conviction que je voulais me relancer, mais pas dans n'importe quoi. Donc en gros, je cherchais absolument à trouver un truc qui ait du sens pour moi, dans lequel je me retrouvais, dans lequel j'avais vraiment le sentiment d'apporter quelque chose de concret à quelqu'un, tu vois. Et du coup, un midi, je mange avec une amie, Amandine, qui est décoratrice d'intérieur et qui à l'époque, en fait, exprimait la plupart des difficultés que rencontrent beaucoup d'indépendants et de solopreneurs. C'est ok, moi quand je suis avec mes clients, ça se passe très bien, je suis bon dans mon métier, mais par contre je sais pas comment me faire connaître sans faire des trucs que j'ai absolument pas envie de faire, c'est-à-dire je veux surtout pas prendre le bottin et puis au téléphone appeler toutes les lignes en disant coucou, je suis Amandine, je fais de la décoration d'intérieur, est-ce que ça t'intéresse? Enfin, et donc du coup, en gros, j'ai proposé à Amandine à l'époque de l'aider, quoi, de l'épauler, de lui apprendre ce que moi je savais en vente, et ça s'est très bien passé puisque quelques mois plus tard, donc là c'était fin 2017 et on avait l'habitude du coup de manger ensemble une fois toutes les deux semaines, et en gros on bouffait ensemble, je lui donnais des conseils, on me racontait ce qu'elle avait mis en place, bref, je faisais du coaching sans le savoir, tu vois. Et mars 2018, elle vient à un de nos déjeuners bi-hebdomadaires avec un cadeau.
Et bon, elle avait pas l'habitude de me ramener des cadeaux, si tu veux, à chaque déjeuner, sinon je l'aurais invité deux fois par semaine, tu vois, en vrai. Bah ouais, en vrai, en vrai. Et en gros, je lui demande bah, pourquoi un cadeau là, ce midi-là, et elle m'explique, bah écoute Mathieu, c'est très simple, on est en mars et j'ai déjà réalisé le chiffre d'affaires que j'avais fait sur toute l'année dernière. Et donc du coup, en gros, pour moi, ça a été le déclic, tu vois, j'étais en quête de trouver un business. Et là, du coup, ça a vraiment été le... Ok, si j'ai réussi à faire ça avec Amandine qui partait de si loin, du coup, ça veut dire qu'il y a un truc qui a fonctionné et que je peux le reproduire. Et donc, du coup, c'est de là qu'est née Destination Client avec cette idée d'aider des entrepreneurs à structurer leur stratégie commerciale. Au départ, c'était ça. Et puis, en fait, progressivement, ça s'est... mon champ d'action s'est étoffé autour de la vente, autour de la prospection, autour de la mécanique commerciale de manière globale. Et t'en penses quoi si je te dis que t'es pas du tout dans le stéréotype du gars qui est commercial, quoi le qu'on voit, je sais pas, en costume. Un peu lourd. Et je l'ai été en vrai. Hein. Je l'ai. Ah non, je n'ai pas été lourd. J'étais pas lourd, mais j'étais en. Ouais, j'ai fait un job où j'étais vraiment commercial, costume. Tu sais, le costume un peu trop grand, enfin qui est pas bien taillé. Tu vois le. Ouais, j'étais en plein dedans. Mais tu vois, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme toi aime autant la vente? Parce que je pense que ça mérite d'être approfondi. Genre, je sais pas. Est-ce que genre quand t'as dit à tes parents que tu te spécialisais dans la vente, ils étaient en mode oh bah oui. Carrément, vous étiez genre étonné. Ah non, ils étaient. Moi, je suis plutôt issu d'une famille de commerçants, donc pas forcément. Enfin, tu vois, pas forcément entrepreneur. Enfin, c'est, même si quand même s'il y en a, certains qui sont entrepreneurs. Enfin, notamment mon grand-père et ma mère qui sont vraiment entrepreneurs, mais entrepreneurs slash commerçants. Donc du coup, moi en fait, depuis que je suis tout petit, je veux faire du commerce, si tu veux. Ça a commencé quand j'étais tout petit dans la rue de mes grands-parents où je faisais la braderie. J'avais mon stand, c'est moi qui gérais le stand et je vendais des. Je me rappelle, bon, j'ai vendu des figurines Schtroumpf qui étaient super anciennes et qui valaient de l'or. Je les ai vendues 50 centimes. Mon père, il était furieux. c'est là où j'ai compris que les choses avaient une valeur, tu vois, une valeur, et que c'était dommage de les brader parfois. Il y a un mec qui s'était fait, il était trop content ce jour-là. Mais la prospection plaisir, et on sent en toi ce côté plaisant. Tu vends pas juste pour gagner de l'argent. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que t'aimes autant dans l'aspect commercial? Les gens n'aiment pas du tout la vente. Ouais. Alors c'est en fait le truc, c'est que souvent on voit la vente comme une confrontation. Tu vois, j'ai closé mon deal, j'ai traité ses objections, j'ai gagné un contrat. Tu vois, il y a ce côté. Et puis même quand tu vois toute l'image culturelle qu'il y a autour de la vente, le loup de Wall Street, etc. Enfin, tu vois, le loup, c'est pas anodin, quoi. Tu vois, c'est vraiment, il va aller bouffer les agneaux, quoi. Tu vois. Il y a dans la vente, on a cette représentation de il y a un fort, il y a un faible, et soit t'es le fort, soit t'es le faible. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, moi, ça a jamais été comme ça que j'ai perçu le truc. Moi, j'ai toujours eu cette vision de la vente, c'est en fait la vente, c'est juste le prolongement naturel. L'acte de vente est juste le prolongement naturel de d'une super discussion, d'une super entente et d'un truc où vous avez trouvé un terrain d'entente qui va servir l'un et l'autre, tu vois. Et sans forcément, tu vois, être bisounours dans la vision des trucs, parce que tu vois, par exemple pour ma boîte, j'ai des objectifs de vente, etc. Enfin, tu vois, c'est quand même calibré autour de d'objectifs professionnels pour faire tourner la boîte, etc. Mais ce qui fait que et justement rentrons un peu plus dans le cœur du sujet. C'est quoi ta philosophie, la philosophie de ton organisme de formation sur la vente? Par exemple, bah là, on a une audience de coach. En gros, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un coach qui n'aime pas la vente, qui n'arrive pas à vendre?
quelle énergie tu pourrais lui apporter de différent de ce qu'il a déjà entendu ailleurs. En vrai, moi, le truc que je dis souvent, c'est que les coachs ont un avantage concurrentiel sous-exploité par rapport à toutes les autres professions en matière de vente. C'est que moi, je le dis, c'est pas forcément une vérité, mais j'aime bien le dire. C'est que pour moi, la vente, c'est du coaching de prise de décision. C'est tu aides ton prospect à prendre la bonne décision pour lui. Et en fait, le truc contre-intuitif, c'est l'image culturelle qu'on se fait de la vente, c'est que la vente, c'est du pitch, tu vois. La vente, c'est Steve Jobs qui est en train de te faire le storytelling de l'iPhone, tu vois. C'est la vente, c'est vends-moi ce stylo. Et tu vois, cette scène, c'est une mauvaise scène parce que le mec, il essaye de te, enfin l'image qu'on fait, c'est waouh, il a réussi à avoir les deux punchlines qui font que oh putain, à coup sûr, on va prendre le stylo. Ah non, dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, la vente, c'est 80% d'écoute, de questionnement, de tu vois, de creuser les peines, les douleurs, les enjeux, les objectifs, les ambitions, pour réussir à voir. Et c'est là en fait où il y a une subtilité, c'est de partir. On part du principe, quand on rencontre un prospect pour la première fois, qu'on ne sait pas encore si oui ou non on va faire affaire ensemble. Et l'objectif de ton questionnement est premièrement de savoir si oui ou non tu peux vraiment l'aider. Et tu vois, du coup, c'est de te désengager dès le départ de ce poids qui est de se dire oh, « j'ai un prospect, faut que je le close ». Non, 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 non. J'ai un prospect, faut que je comprenne vraiment quels sont ses besoins. C'est hyper puissant parce que si le point de départ, c'est « je peux l'aider », dans ce cas-là, la relation est « ok, est-ce que toi, tu veux travailler avec moi ?» C'est pas moi qui essaye de te forcer, en fait. Moi, je peux t'aider. Exactement. À toi maintenant de décider de prendre ou pas. Ouais, c'est hyper puissant. Et en vrai, après, tu vois, c'est pour ça que c'est une connerie quand on dit voilà, on va augmenter vos taux de transformation grâce à un meilleur closing et tout. Oui, alors certainement qu'on peut améliorer le taux de transformation, etc. Mais ça veut dire que on va améliorer ton taux de transformation à partir d'une base de prospects qui sont déjà qualifiés par rapport à ce que tu peux apporter, deux qui sont dans le bon momentum, tu vois, de prise de décision, parce que il y a rien de pire que faire prendre une décision à quelqu'un qu'il a pas envie de prendre et qui va pas réussir à mettre en place parce qu'en fait c'était pas le bon moment pour lui, tu vois, en vrai. Justement, là je pense on touche à un point hyper important parce que la plupart des coachs en tout cas qui se lancent, ils vont s'arranger, même ils vont s'inventer une histoire en mode non mais il veut pas acheter lui, ça se voit, c'est pas le bon moment, je vais pas pousser, et ça les arrange en fait. Comment tu sais vraiment quand ton prospect, c'est vraiment pas le bon moment, ou quand il te raconte des histoires ou qu'il se raconte les histoires? Comment tu différencies? Alors ça c'est intéressant parce que ce qui va faire que pour quelqu'un c'est vraiment pas le bon moment, c'est quand il a quelque chose que une explication rationnelle. Une explication rationnelle très très évidente, tu vois, genre il est en plein déménagement et il peut pas se pencher là-dessus, et que du coup en face il est capable de te dire quand ça sera le bon moment pour lui. S'il est pas capable de te dire exactement la date à laquelle ça sera le bon moment pour lui, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une objection fausse barbe, c'est qu'il ne veut pas te dire qu'il a pas envie d'y aller, tu vois. Mais ça pour moi c'est une bonne technique. C'est t'es ok, c'est pas le bon moment. Bon, bah, quand sera le bon moment pour vous alors? Ouais. et en vrai peut-être. Et tu vois, et en vrai peut-être que voilà, c'est t'as aussi des cas. Moi, je sais que je me suis déjà retrouvé en tant que prospect pour quelqu'un de dire j'ai vraiment envie d'y aller, mais là en ce moment vraiment c'est pas le bon moment. Est-ce qu'on peut se rappeler dans 3 mois? Et tu sais, en face, le mec, je me rappelle que le mec m'avait dit, ouais, si c'est pas maintenant, est-ce que t'es sûr que plus tard, ça sera le bon moment et tout? Mais oui, je sais que j'ai envie que ce soit le bon moment. C'est juste que là, matériellement, en ce moment, je peux pas. J'ai pas les, tu vois, j'avais pas les finances, j'avais pas la trésorerie, j'avais pas l'espace mental pour. Mais j'avais envie d'avancer dans le processus avec lui. Et du coup, le fait qu'il me le dise, tu vois, le fait qu'il, alors que je lui avais explicitement dit que c'était pas le bon moment pour toutes ces raisons, et qu'il me refasse un truc en mode, tu vois, je push, bah du coup, ça m'a désengagé dans mon envie de bosser avec lui.
Et tu vois, c'est là la nuance. Alors après, on peut dire que, tu vois, il y en a certains qui vont t'inviter à aller pousser vraiment dans les retranchements, etc. Il y a aussi une question d'équilibre, de justesse, tu vois. Et c'est là où les coachs ont des vrais avantages dans leur mécanique et leurs outils et leur perception des choses, tu vois, parce que justement, ils savent aussi. Puisqu'on est dans les objections, c'est passionnant. Je serais très curieux de savoir. Quand est-ce que c'est le bon moment? Bon, ça, c'est génial. Et comment tu réponds par rapport au j'ai pas l'argent? Comment tu sais si c'est vrai ou si c'est pas forcément vrai? Tu vois, imagine, on est en session. Là, je te dis, bah, écoute, Mathieu, j'ai envie de te rejoindre ton programme, mais là, j'ai pas d'argent. Comment tu sais si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Ok, déjà, je comprends que ce soit un gros investissement. Mais dis-moi, Lingen, est-ce que c'est une, est-ce que c'est une, c'est une, alors c'est une question de budget ou c'est une question de valeur? C'est-à-dire, est-ce que tu de budget ou une question de trésorerie? Est-ce que tu estimes que ça n'en vaut pas la peine, en gros, que t'as pas l'argent et que ça en vaut pas la peine d'y aller, ou est-ce que c'est juste une question de trésorerie et t'as pas l'argent là maintenant, totalité disponible sur ton compte? C'est quoi ta situation? Ok, bah déjà, si on peut faire une Un parenthèse, zoom? parce que je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup de coachs qui me disent, mais moi, j'ose pas poser ce genre de questions. C'est indiscret. Toi, t'en penses quoi? Ah, alors c'est indiscret. Alors je sais pas où comment. Enfin, je sais pas quelle est la. Tu vois le sujet de discrétion. Si ça se trouve, ça fait 1 heure que t'es en train de parler de son intimité relationnelle, de ses objectifs inavoués, de son rêve, de ce qu'il a envie d'accomplir, machin, de ce qu'il ose peut-être pas avouer à ses parents, de ce qu'il a vraiment envie de faire et tout. Et puis au moment où il s'agit de parler concrètement d'argent, là, ça devient indiscret. Il y a une. En vrai, si tu. C'est toi, en fait. Propre peur. Ouais, c'est tes propres peurs. En fait, c'est l'indiscrétion, c'est vis-à-vis de toi et de tes peurs et de l'angoisse que ça te crée de parler d'argent. Mais en vrai, c'est pas indiscret vis-à-vis du client parce que. Là, moi, je t'ai pas demandé combien tu avais sur ton compte. Je t'ai demandé co comment, comment tu te positionnais par rapport au problème, en fait. Non, mais ta question, elle est géniale. Du coup, bah oui. Non, non, si, si, je vois la valeur, Mathieu. C'est juste que, ouais, en ce moment, peut-être pas le bon moment. Ok, et là du coup, je peux te demander, bah, alors soit je rebondis par quand est-ce que ça sera le bon moment, soit je pourrais te demander, bah du coup là, quelle solution est-ce qu'on pourrait réfléchir ensemble pour que ça soit plus souple pour toi, si t'as vraiment C'est-à-dire envie qu'en d'y aller, fait, Lingen? ouais, en réalité, moi je te dis que j'ai pas d'argent, mais en fait c'est autre chose. Mais le truc, c'est que moi-même, je ne sais pas forcément que c'est autre chose. Ouais, c'est Et du exactement coup, ça. j'imagine que quand on creuse, on va dans les peurs, dans des émotions. C'est quoi le plus souvent qui fait hésiter les gens à te Bah parler? non, mais tu peux. En vrai, tu peux avoir. En fait, faut partir du principe que la situation est plus délicate pour eux que pour toi à ce moment-là, parce qu'en fait, toi, tu sais ce que tu vas gagner à ce moment-là. Tu sais que tu vas gagner cette somme. Eux, ils savent ce qu'ils perdent, ils savent pas ce qu'ils gagnent. Ils savent ils visualisent très bien cet argent qui sort du compte. Par contre, ils visualisent pas encore ce qu'ils vont obtenir. Et je pense même que t'as beau les aider dans la visualisation, etc., ce qui fait qu'il y a une difficulté, notamment quand tu t'adresses à des particuliers ou même à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément déjà budgété, tu vois, une somme pour du coaching. Bah du coup, ça devient un budget supplémentaire, tu vois, pour eux, et ça devient une somme importante. Il faut respecter ça, tu vois. Dans la discussion, il faut respecter ça et faut pas négliger le fait que ça représente un truc plus ou moins costaud. Hein. Si tu t'adresses à quelqu'un qui ouvre, enfin, évidemment, tu vois, a les moyens pourraient te payer d'un seul coup parce que tu sais que pour lui, l'argent n'est vraiment pas un problème. Là, c'est un autre sujet. Là, c'est que bah, il a sûrement pas perçu la valeur de ce que tu pouvais lui apporter et tout, etc. Mais la plupart du temps,
ça représente des investissements qui n'étaient pas budgétés au départ, et donc du coup, bah ouais, ça, c'est tumulte intellectuel, quoi. On fait partie du même mastermind, et il y a une chose que tu as partagée la dernière fois qui était hyper intéressante, c'était un peu de casser ce mythe, ce fantasme du closing en un appel. C'est quoi, toi, un... Je te balance un peu ça. Ouais, tu vas peut-être me dire, ça dépend évidemment, mais c'est quoi un bon taux de closing? C'est combien de temps il faut faire un appel? Combien d'appels il faut faire? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Non, c'est dur parce qu'en vrai, tu peux avoir un très bon taux de closing. Tu peux closer 100% de tes appels. Tu peux ne pas avoir beaucoup de. En fait, il y a une règle que j'ai constatée qui est que plus tu augmentes ton volume, plus tu veux augmenter ton CA, plus ton taux de transformation il va baisser. Parce que tu vas être du coup forcé de prendre plus de volume, et dans ce volume, tu vas avoir de moins en moins de personnes qualifiées, et du coup, ton cycle de vente, il va à la fois se rallonger, c'est-à-dire tu vas avoir besoin de faire de plus d'appels, parce que tu vas avoir des premiers appels de qualification, des appels de stratégique slash closing, et peut-être des appels de follow-up, tu vois. Chose que t'as peut-être pas besoin quand t'es en solo, tu vois. Tu rencontres quelqu'un qui est venu à toi parce que on t'avait chaudement recommandé, il est allé voir ton contenu, il trouve que c'est trop bien, il a vraiment envie de bosser avec toi. Un appel, bon bah voilà, ça se passe comme ça et tout, ouais, j'ai vraiment envie de bosser avec toi, bon bah ok, on y va, tu vois. Ça peut... Moi, au départ, quand je bossais, c'était, je faisais, 70, 80, 90% de mes prospects étaient closés, mais ils venaient à moi parce que, tu vois, à partir du moment où j'ai commencé à augmenter, bah là, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui te découvrent pour la première fois, qui sont pas encore chauds, pour qui c'est pas le bon moment, nanana. Donc ça, c'est ça plus. Ça m'intéresse. Comment tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais pour que les gens qui venaient étaient hyper, hyper qualifiés et hyper chauds? Ah bah, au départ, au départ, j'avais pas des objectifs de chiffre d'affaires qui étaient très très élevés, donc j'avais besoin de 15-20 clients dans l'année, et ça me suffisait. 15-20 clients, je produisais beaucoup de contenu, je rencontrais du monde, tu vois, j'échangeais avec beaucoup de personnes, mais pas dans des optiques de prospection, vraiment dans des optiques d'échange, de discussion, etc. Et en fait, c'est là où il y a une nuance, c'est que moi, je rencontrais quelqu'un, je le prenais pas pour un prospect. Je rencontre quelqu'un, je le prends pour quelqu'un, tu vois, pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise, pour un truc, ça me fait plaisir de le rencontrer. Par contre, à partir du moment où dans la discussion, je sens que potentiellement il peut y avoir un besoin, ok, tiens, est-ce qu'on se prendrait pas un rendez-vous pour que je te montre comment je peux t'aider? Et donc là, c'est sur ces rendez-vous-là que ça se transformait bien en général. Donc au départ, c'est ce qui s'est passé, tu vois, c'est un peu comme j'adore ta stratégie qui est de dire on fait des je vous offre une heure de coaching, je trouve ça trop bien. Notamment au démarrage. Après, tu as peut-être moins le temps de le faire en vrai, et c'est là où justement le taux de closing il va baisser. Mais toutes les séances de coaching que tu fais, tu calcules pas ton taux de transformation sur les heures de coaching gratuites que tu offres. Hein. Tu le calcules pas là-dessus. Et qu'est-ce que tu enseignes à tes clients? Est-ce que tu enseignes un script ou plutôt des grandes étapes, et à l'intérieur tu improvises, ou est-ce que tu enseignes d'improviser tout de A à Z? Là, en quelques minutes. En fait, tu vas avoir un script. C'est un script allégé, en fait. L'idée c'est de maîtriser comment la discussion va se dérouler. Tu vois, un peu comme c'est vraiment comme une interview d'un journaliste. Il va préparer, il sait pas encore quelles vont être les réponses, mais il sait sur quel sujet il a envie d'embarquer la personne, tu vois. Et un script, c'est pareil. Tu veux d'abord comprendre là où il en est, quel est son contexte. Et en général, là, il va commencer à t'exprimer quels sont ses, euh,
Tu vois, quand tu creuses sur son contexte, bah, il va t'exprimer aussi quels sont les problèmes que lui il rencontre, les blocages qu'il rencontre, etc. Faut surtout pas le prendre pour argent comptant. Tu vois, c'est là où en général ça bloque, c'est que on nous dit bah voilà, j'ai du mal dans mes relations avec mes enfants. Ah bon, bah écoutez, bah je peux vous accompagner là-dessus. Non, non, là c'est là en fait, du coup, tu as une première étape où tu creuses le contexte, la situation actuelle. Ensuite, tu réfléchis sur tu travailles sur les ambitions, sur les projections, sur le projet, sur là où il veut aller, qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre, ses objectifs, etc. Parce que tu peux, parce que tu as commencé un peu à parler des problèmes que lui rencontre. Donc du coup, bah ok, qu'est-ce que tu voudrais idéalement? Tu voudrais que ça se passe comment, machin et tout, etc. Et donc du coup, c'est par rapport à cette ambition que tu vas travailler sur les problèmes. Donc ça fait CAP, tu vois. Donc ça fait un script. Une fois que t'as défini les ambitions, bah là du coup tu peux parler des problèmes, et là d'orienter les questions pour que vraiment on commence à toucher les problèmes que lui n'a pas identifiés. Tu vois, il est parti lui du constat que le problème c'était, je sais pas moi, qu'il faisait pas assez de sport. En fait, t'en arrives à ce qu'il te dise, bah non, en fait le problème c'est que je manque de confiance, c'est que je ne m'accorde pas assez de crédit, tu vois, par exemple. Mais parce que t'es parti de la projection pour en fait arriver à, mais ouais, mais au final aujourd'hui qu'est-ce qui t'empêche de machin et tout. Et donc du coup c'est par rapport à ce problème. Ouais, vas-y, pardon. Je voulais revenir sur le A. Non, vas-y, pardon. Termine le problème et je reviendrai après. Ouais. Ouais, parce que juste pour terminer, tu vois, c'est que c'est par rapport au problème que du coup tu peux synthétiser la situation globale, là où il veut aller, ce qu'il rencontre comme difficulté, et que c'est par rapport à ça que tu vas lui dire, est-ce que tu veux que je t'explique comment je peux t'aider justement à résoudre ce problème qui va te permettre d'atteindre cette ambition. Génial. Donc le A. Justement, l'ambition, c'est une question que beaucoup de coachs, en tout cas de ce que j'observe, ont du mal à creuser. Ah ouais. Pour X raisons. Parce que soit ils restent en surface, soit. Bref. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de quoi? Est-ce que tu peux l'exprimer à ta façon, l'importance d'aller chercher l'ambition de la personne? La plupart des coachs, le stéréotype du coach débutant, c'est quoi ton problème? Et comme tu dis, bah voilà. Et pourquoi c'est si important d'aller parler des ambitions? Ouais, bah c'est. le mot est. En fait, les problèmes et les besoins des gens existent parce qu'ils ont envie de quelque chose et ils n'arrivent pas à le faire par eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à y atteindre par eux-mêmes. Sinon, il y aurait pas de problème en fait et il y aurait pas de besoin. En vrai, si les gens arrivaient naturellement d'eux-mêmes à tout faire, enfin, tu vois, je sais pas moi. Maintenant, aujourd'hui, tu arrives à écrire, tu vois, c'est pas un problème. Par contre, si demain tu vois, moi j'ai une écriture un peu naze, pas ouf, si demain je dois écrire sur un grand tableau parce que je fais des conférences et écrire sur un grand tableau et que tout le monde me reconnaisse et que vraiment je galère, tu vois, et que j'ai regardé des tutos, des trucs, et que vraiment j'y arrive pas, bah du coup en fait moi je dois mieux écrire, en fait existe parce que mon ambition est de pouvoir faire des conférences et d'en jeter plein la vue à beaucoup de monde parce que j'ai besoin que le monde sache que j'existe. Ouais, non, mais j'avais jamais vu ça comme ça. C'est hyper intéressant que c'est vrai qu'un problème n'existe pas s'il n'y a pas une ambition. Quoi, ça va un peu ensemble. Genre, je veux perdre du poids et être en forme, mais si je vis sur une île déserte, je m'en fiche un peu. Bah, tu t'en fous. En vrai, tu t'en fous. En vrai, c'est. Enfin, vraiment, je crois que t'as un autre problème, en vrai. Je sais pas ce que ton épouse en pense, mais depuis que je suis marié, bah, je prends un peu moins soin de ma vie. Putain. Tu vois. Depuis. Ah ouais, voilà, non, mais typique, en vrai, c'est. Non, mais c'est clairement ça. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, les gens en plus aiment bien parler de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils souhaitent,
Et là, c'est vraiment un truc qui est facile à creuser, parce que pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'aller vers ça et pas vers autre chose? J'ai une autre objection pour toi. J'anticipe ceux qui nous écoutent vont te dire, mais ouais, Mathieu, moi, j'ai pas envie de tourner le couteau dans la plaie, de lui Ah faire ouais. voir que c'est un gros, gros, gros problème. Et puis, j'ai pas envie de la faire rêver parce qu'imagine, elle atteint pas son objectif. Tu vois, ils veulent pas créer la distance entre le problème et l'ambition. Or, sans cette distance, il n'y a aucune raison d'acheter, quoi. Ouais, et puis c'est le alors moi je comprends que là du coup on puisse se dire c'est de la manipulation, machin, tout ça, etc. Le je pense que ça peut être aussi un bon indicateur un bon indicateur de l'envie de la personne de bosser avec toi que d'aller la challenger sur des questions comme ça. Franchement, si tu poses ces questions-là et que la personne n'a pas envie de te répondre, pour moi, c'est un indicateur que ça va jamais devenir une cliente. Enfin, un ou une cliente. Et que, au contraire, si tu les poses pas, bah, tu vas toujours rester dans le doute de, ah, est-ce que potentiellement j'aurais pu? En vrai, moi, si je te pose ces questions et que tu me dis, non, non, j'ai pas envie de répondre à ça, c'est indiscret, bah, du coup, bah ouais, mais moi, je sais pas si du coup je vais pouvoir vous aider si vous. Si vous pouvez pas répondre à cette question. Et Mais en tant que coach, en réalité, notre travail consiste à aller creuser ouais. et à les faire réfléchir. Donc, si tu n'oses pas le faire pendant la vente, bah, tu montres que tu n'oseras pas le Derrière, faire tu vas après. pas. Et en vrai, et tu vois le coup de moi, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. C'est plus, tu vois, on a cette image de remuer le couteau dans la plaie, mais en vrai, la plaie, elle est existante. Et un médecin, il va mettre, tu vois, il va pas avoir peur de regarder la plaie, de l'examiner, éventuellement, tu vois, de la toucher pour voir comment c'est à l'intérieur, etc. Mais le médecin, il va pas venir te foutre un couteau. C'est le mec qui fait de la torture, c'est le bourreau qui fait ça. Toi, en tant que coach, t'es le médecin. Donc tu dois examiner la plaie, tu dois comprendre comment c'est, si ça peut se cautériser facilement ou pas, quelle technique tu vas devoir utiliser, etc. C'est si tu fais pas, c'est les mauvais médecins qui tu dis ouais voilà je me suis ouvert, ah bah mettez du sparadrap et ça ira. Enfin c'est les mauvais médecins qui fonctionnent comme ça, on est d'accord. Ça fera 150 euros. Ah ouais, ça fait un peu cher. C'est pas grave. Ouais, c'est hyper intéressant. J'avais pas vu ouais, l'inverse de ça, quoi. Parce que si ton prospect, tu vois qu'il a un problème et tu vois que il se rend pas compte de la gravité et tu lui dis rien, bah en fait, ça, c'est pas éthique. Ça, c'est pas éthique. Ça, en vrai, c'est pas éthique de ouf, hein. Hein, carrément. Hein. C'est encore une fois, c'est toi qui a presque peur d'aller affronter tes propres peurs. Et en gros, tu mets ça sur le coup du ouais, non, j'ai pas envie de. En vrai, si t'as vraiment envie d'être à la hauteur de la responsabilité que tu te poses en tant que coach, tu dois faire un truc difficile. Et le truc difficile, bah ouais, c'est d'aller faire affronter. C'est de faire en sorte que les clients affrontent leurs propres peurs, affrontent leurs propres limites et cherchent à se dépasser. Et que parfois, oui, il faut les pousser. Parfois, il faut les pousser dans leur retranchement. Faut les amener loin. Va y avoir des pleurs, va y avoir des situations émotionnellement difficiles, etc. Si t'es pas capable, en tant que coach, d'affronter ça, bah, je veux dire, c'est là où tu es peut-être pas à ta place, quoi, à ce moment-là. C'est peut-être à toi de te poser les questions. Enfin, tu vois, c'est Et clairement moi on en revient aussi à ce que tu nous disais au début, c'est que on le fait avec amour et bienveillance parce qu'on pose des questions, tu vois, c'est ce que tu nous disais. C'est pas du genre non, mais carrément. c'est très grave, si tu changes pas, tu vas mourir, tu vois, c'est en posant des questions qu'on Ah ouais, non, l'amène non. lui-même à réaliser ça, en fait. Et peut-être que lui, tu vois, c'est la peur qu'il a derrière, c'est pas effectivement mourir, c'est grave et tout, oui, si ça bouge pas, ça me fait chier parce que il y a ça qui va pas bien se passer et en fait j'aimerais pas que ça se passe comme ça. Mais tu vois, le pas bien se passer, c'est un truc qui est relatif. Tu vois, il peut aussi relativiser la chute du truc, mais peut-être qu'il en a juste tellement pas envie que du coup c'est ça qui lui donne envie de se mettre en mouvement. Et tu vois, j'étais en train de me dire,
Moi, tu vois, je suis coach en développement commercial. Et au final, bon, bah voilà, on parle de prospection, on parle de vente, machin et tout, mais on parle pas de sujets qui sont, tu vois, je suis pas un médecin, je suis pas en train de parler de vie ou de mort, de relations avec des enfants, parents et tout, machin, tu vois. Mais n'empêche que ma responsabilité en tant que coach, c'est d'être là dans les moments où ça va bien, mais d'être aussi ultra présent dans les moments où ça va pas bien. Et tu vois, et de porter ce d'être une épaule solide dans les moments où ça va pas bien. Et donc du coup que même quand ça va pas, bah de du coup chercher à continuer de creuser, d'aller faire trouver des ressources, d'être ultra présent, disponible. Enfin, tu vois, c'est pour ça aussi aujourd'hui. Et alors peut-être que ça va faire twister certains, mais c'est pour ça aussi aujourd'hui que moi j'estime que je suis pas un bon coach parce que je peux pas promettre cette disponibilité à tous mes clients. Et que du coup aujourd'hui j'ai une équipe de coachs qui sont exceptionnels parce que notamment ils sont putain de présents quand c'est plus difficile, quand c'est plus compliqué, quand il y a des doutes, quand il y a besoin voilà d'avoir des retours rapides machin et tout. Et je sais qu'ils sont excellents, exceptionnels dans ces moments-là. Et c'est ça qui fait la force et la puissance, tu vois, de notre programme, c'est qu'ils n'ont pas peur d'aller affronter ces moments-là. Mmh. Et tu vois, et c'est comme le métier de commercial. Aujourd'hui, je sais que je suis pas un bon closer pour ma boîte, dans le sens où aujourd'hui on a beaucoup de volume et que sur chaque prospect, il faut aller donner beaucoup d'attention, faire du follow-up, du suivi et tout machin, et que c'est une mécanique qui est pas forcément complexe en soi, mais qui demande de l'investissement, de l'énergie, de rebattre les cartes à chaque fois, d'aller se battre avec les idées reçues de certains prospects, de les amener à voir les trucs sous un angle, et ça demande beaucoup d'énergie, quoi, tu vois. Super. Mathieu, peut-être une dernière question. T'en penses quoi de l'affirmation la décision d'achat, c'est avant tout une décision émotionnelle. Qu'est-ce que ça t'inspire ou quoi? Moi je mettrais un bémol là-dessus, c'est que l'acte, la prise de décision finale, ça va être sur de l'émotionnel, mais pour la bonne et simple raison que le moment de dire oui on y va, bah c'est un peu comme quand tu sautes en parachute ou tu sautes à l'élastique, tu vois, c'est que t'as peur. Mais il y a un truc qui dépasse ta peur, tu vois. Tu vois, quand tu me dis OK, on y va ou pas, tu vois, quand nous on a dû prendre la décision pour le mastermind, clairement c'est le moment où on dit bon bah OK, on y va, c'est émotionnel, tu vois, t'es dans l'énergie, t'as envie d'y aller, t'es truc. Mais cet acte de décision, t'as quand même eu un processus rationnel avant, tu vois. Et en fait, il y a une différence entre on se dit, tu vois, on s'est dit vraiment que c'était la bonne solution pour nous, pour nos business par rapport à là où on était, tu vois, on a été convaincu, machin et tout, donc le processus rationnel a déjà existé. Par contre, la prise de décision à l'instant T, ouais, c'est purement émotionnel parce que ton cerveau à ce moment-là, il a besoin de d'autres choses que du rationnel, parce que si du rationnel, il a besoin déjà d'avoir les résultats pour se dire ah ouais, tiens, c'est une bonne idée de le faire, tu vois. Et quel est tu vois ce que je veux dire? Sur ce dernier maillon, parce que effectivement beaucoup de coachs vont s'arrêter à la partie rationnelle en mode c'est ta décision maintenant, et ils veulent pas accompagner le bout, et on a tous vécu ça, des prospects qui rationnellement ils veulent, on n'ose pas aller plus loin, ils disent non et deux semaines plus tard, tu vois, alors que en fait ils répondent pas mieux. Nous on accompagne de manière éthique et efficace sur ce dernier bout de chemin. Moi, le truc que j'aime bien faire, c'est de quand la personne, tu vois, elle est encore un peu hésitante, je cale un nouveau rendez-vous de go no go. Donc en gros, je lui dis, si tu veux, ok, c'est peut-être pas le bon moment là maintenant de prendre la décision, et je comprends que t'aies besoin de faire un truc de prendre un peu de recul, machin, d'en discuter, etc., qui en fait consiste surtout à se mettre, il va chercher en fait à se mettre dans une bonne décision. Et en fait, le problème quand on les lâche ici sans mettre de deadline,
Bah en fait, il reste dans cet état où bon bah, il décide pas vraiment, tu vois. Ils actent pas une décision. Donc en gros, moi, ce que je fais en général, tu vois, je vais te dire, bon bah ok, Lingen, je comprends que tu aies besoin de réfléchir, tu vois, donc je comprends. Donc empathie, je vais dans ton sens. Je comprends que ce soit pas une décision facile et que ça implique beaucoup de choses. Écoute, ce que je te propose, c'est la nuit porte-conseil. On se rappelle demain ou dans 2 jours, on se prend juste 10 minutes pour que tu me dises si oui ou non on y va. Est-ce que ça te semble OK? Et en fait, là, le deuxième, donc du coup, il va te dire OK et tout. Bon, bah, quand est-ce qu'on s'appelle? On s'appelle telle heure, tel jour à telle heure et tout, machin. Et ce que tu vas faire le jour où tu décroches, c'est bon, alors Lingen, comment ça va? T'es en forme là? Ouais, yes, prêt à prendre la bonne décision? Ok, allez, vas-y, dis-moi ce que t'as envie de faire là. Tu vois, et là, du coup, tu le mets dans une bonne énergie, tu vois. Et en fait, on est vraiment sur un échange de 10 minutes qui est consacré à la prise de décision. Tu vois ce que je veux dire? Top, top. Bah écoute, Moi, j'espère. j'aime bien faire ça. J'ai jamais fait ça. Mathieu, est-ce que tu as un dernier conseil d'ordre vente, closing à partager au. Il y a déjà beaucoup de choses. Ou une erreur que tu Il y a commets vraiment. souvent, comme tu veux. Moi, vraiment le truc que j'ai envie qu'il se dise, c'est surtout au départ, c'est de il y a le côté, il y a vraiment, moi enfin suivez le conseil de Lingen quoi. C'est le dernier conseil que je donne, c'est suivez ton conseil, c'est faites du coaching, proposez des heures de coaching, proposez de la pratique, mettez-vous en confiance, systématiquement proposez, etc. En vous disant que vraiment c'est du don, c'est de la générosité, etc. Et de bien comprendre, de bien faire la distinction entre ce qui fait partie de votre générosité, de la construction de votre réseau, de votre image, de votre notoriété, des rencontres que vous allez faire et du plaisir que vous allez avoir et de l'expérience que vous allez accumuler, des rendez-vous vraiment dédiés à la vente de vos programmes, de vos séances, de votre coaching, de vos accompagnements. À partir du moment où on fait cette distinction, je pense que ça facilite le processus. Ça fout beaucoup moins de pression, on se met dans la bonne posture, on utilise les bons outils, tu vois, au bon moment. Et ça, je pense que ça fait déjà une grosse différence. Yes, cool, Et merci puis, beaucoup. et puis, euh... Vas-y, tu voulais dire Ah quelque chose? ouais. Ouais, non, j'allais juste revenir sur le coup de l'appel, là, de vraiment se dire que, bah ouais, c'est votre rôle, c'est votre mission, c'est de creuser. Et quand on est un bon coach, ben c'est un truc qu'on doit avoir le courage d'aller faire quoi. Cool, Donc voilà. Mathieu. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Ceux qui veulent aller plus loin, déjà, vous avez le livre, La prospection plaisir, hein, qui vient de sortir. Donc, yeah, on vous met le lien en description. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec toi, qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent aller? Bah, deux liens sur notre site destinationclient.fr, destination au singulier, client au pluriel, parce que évidemment c'est destination plein de clients. Sur le site, il y a pas mal de ressources offertes. Il y a une formation de 5 jours sur la prospection. Il y a un kit commercial de l'indépendant avec une liste de questions à poser, notamment là pour prolonger ce qu'on a dit, bah, pour pouvoir construire en fait son script. Et puis le deuxième point, bah, c'est on se rejoint sur LinkedIn pour celles et ceux qui utilisent ce réseau social. Moi, je suis sur LinkedIn, donc Mathieu Doumalin, LinkedIn/in/ Mathieu Doumalin, tout attaché. Et puis demandez-moi en connexion, et ce sera avec grand plaisir, quoi. Cool, on met les deux liens en description, les trois liens avec le livre aussi. Mathieu, merci pour ton temps. Est-ce que tu as un dernier mot à partager aux coachs et entrepreneurs qui nous écoutent? Alors les coachs entrepreneurs, vous faites un très très beau métier et que
et qui a vraiment toute son utilité dans le dans la société d'aujourd'hui. Ne mettez pas vos peurs et vos blocages en travers de cette nécessité et de ce beau projet. Waouh, merci. Voilà. Bah, ça donne des forces en tout cas. Merci beaucoup Mathieu pour ton temps, pour toute ton énergie aussi. L'approche que tu apportes à la vente qui fait du bien en fait, parce que on sent ta sincérité, ta bienveillance dans la vente et ça réconcilie avec la vente. En tout cas, moi, c'est un grand plaisir de te côtoyer et de pouvoir voir ça. Je te dis à très bientôt. Merci pour ton temps. Merci. Ciao, Lingen. Ciao.